avec le coach de Saint-Sigolène, Vincent Bonelli. Vincent, il fallait impérativement gagner aujourd'hui pour jouer cette finale la semaine prochaine contre les Villettes, c'est chose faite. Tout à fait, on a fait notre travail. Maintenant, on jouera tout sur le dernier match avec un petit avantage que nul nous suffit pour monter. Et puis ça récompensera le travail des garçons. Et puis on n'a pas été vénards, on a perdu quelques points sur des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Il y a eu quelques injustices et j'espère qu'on ne va pas le payer à la fin. Bon, ça serait une belle saison pour le club hein, parce que l'équipe 2 est en passe de monter également. Si l'équipe 1 monte, ça serait vraiment une très très belle année pour Golen. Hein. Oui, ça serait super bien et on s'était fixé plein de choses avec ce groupe de gamins hein, parce qu'il faut savoir qu'on a un groupe senior de 22 ans de moyenne d'âge. Déjà, je peux vous annoncer, la 2 monte puisqu'elle a gagné 5 ou 6-0 à Bozac, donc j'ai le résultat. Et nous, ça serait merveilleux, ça récompenserait beaucoup de travail et puis de l'éclat quoi. Parce qu'on a un super complexe, on a des super gamins, ça joue super bien au ballon. Et maintenant, il faut concrétiser. Je souhaite qu'on y arrive. Très bien, merci à vous coach. Merci. Avec le capitaine de Saint-Sigolène, Thomas Delolme, il fallait gagner aujourd'hui, c'est chose faite, parce que sinon, gros match la semaine prochaine contre les Villettes. Ouais, c'est vrai qu'on attend une belle finale la semaine prochaine, on s'est mis dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on va y aller sur la dernière journée avec 2 points d'avance. Donc voilà, on s'est mis dans de bonnes dispositions, on est content, on a été solide, et on a fait un bon match aujourd'hui dans l'état d'esprit, et à la gagne au bout, c'est essentiel. Ça serait mérité au vu de la saison que vous effectuez quand même. En plus, je crois que l'équipe 2 monte aussi également, non? L'équipe 2 pour moi est première, ouais. Enfin, je sais pas le résultat qu'ils ont fait aujourd'hui, mais s'ils ont gagné, normalement c'est bon, la montée est acquise. Et nous, ouais, vu la saison qu'on a fait avec le peu de buts qu'on a encaissé, le jeu qu'on a produit, c'est vrai que ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage si on monte pas. Ouais, surtout que l'année dernière, vous étiez passé de très, très près quand même de la montée. Ouais, il y avait Morgard, la dernière, c'était quand même plus solide que nous et l'équipe était déjà en place depuis quelques années. Alors que nous, ça s'est reconstruit là, parce que on a eu les soucis justement en Haute-Loire-Loire, et du coup on a carrément reconstruit l'équipe, et cette année on est parti sur vraiment des bonnes bases, on est content là, ça va bien. Très bien, félicitations à toi. Ben merci, c'est